Vous savez que ça fait plaisir que je vous présente en tout cas de Actu spécial Paris Comic Con et je suis ravi de présenter avec Toonami. Ça qui connaît pas Toonami, Toonami c'est la petite chaîne française et aussi internationale d'abord que c'était créé en États-Unis en 2004 évidemment et chez nous c'est arrivé en France en 2005 qui est arrivé en 2005 en 2009 jusqu'au de Cartoon Network. Après par la suite il est arrivé bien sûr leur projet de 2013 et Toonami arrive chez nous en France depuis 2015 évidemment sur la chaîne de la DSL de la boxe évidemment que c'est le bouquet de la boxe et que c'était la canal 104 que vous pouvez choper ou chacun opérateur de la DSL. En tout cas Toonami reste toujours le préféré la chaîne numéro 1 préférée. Les petites chaînes préférées des fans des Français. Ça remplit en tout cas. Il y a beaucoup plus des super-héros. Mais attention, Toonami n'arrive pas évidemment partout dans le secteur. En tout cas, il arrive juste sur la DSL. Mais par contre, sur Numericable et sur CanalSat, et ben malheureusement, il n'y est pas du tout parce que c'est bien trop cher. Voilà à propos de Toonami, la chaîne française, la chaîne des super-héros. Maintenant, vous connaissez un petit peu mieux. Alors. J'ai fait mon petit coup de cœur et voici le coup de cœur que je peux faire, c'est ceci. C'est quoi? Ultimate Fantastic Four. Ultimate Fantastic Four. Pourquoi? Parce que les Fantastic Four, les 4 Fantastiques, étaient créés en 1961, créés par Jack Kirby et un petit scénario de Toka, un petit scénario de Monsieur Stanley. L'histoire. C'est Richards, Suzanne, Johnny et Ben, des astronautes qui cherchent évidemment à guérir la maladie par Victor. Et ils cherchent, ils vont visiter au voyage de l'espace, évidemment, pour chercher le rayon galactique pour trouver des sciences pour guérir les maladies qu'on peut choper n'importe où, on peut les choper par le corps humain. Sauf accidentellement. Ça risque d'arriver qu'eux aussi vont te faire un accident, qu'ils vont trouver des rayons galactiques qui vont changer le cours de l'histoire de leur vie, devient les créatures des super-héros. Richards est Monsieur Fantastique. Suzanne est Femme Invisible. Johnny Storm est la Torche Humaine. Et Ben, évidemment, devient la Chose. Voilà à propos du sujet, à propos de ça. Moi, je trouvais franchement que le comics il est vraiment fun, on peut dire que depuis 61, et puis après ils ont fait plusieurs des comics, et Ultimate Fantastic Four est vraiment génial. Alors pourquoi? Parce que c'est mon coup de cœur, c'est pour ça que je vous dis carrément. Bon, on peut dire que le dessin n'est pas tout à fait tiré, ben, on peut dire carrément. Rien que dire. Oulala, c'est quoi ça? Ah bah oulala, c'est quoi ça? Et ben voilà, c'est bien sûr, c'est les 4 fantastiques, voilà. Donc la chose, donc Ben avec Richards. Donc voilà, donc voyez, un petit peu l'extrait. Donc c'est en VO, hein, évidemment. Hein. Donc c'est vraiment en VO. Et donc c'est pour ça qu'on veut dire que c'est pour ça que c'est Ultimate Fantastic Four. Alors c'est bien sûr, c'est standard. Hein. C'est pas parallèle, c'est côté standard. Mais quand même, je trouve que le design est quand même pas mal. Hein. Donc voilà, donc on peut dire ça, que c'est vraiment génial. Alors, par la suite, voilà, c'est pour ça qu'on dit ça. Et voilà, le dessin qui est vraiment. Bon, c'est pas ça, mais exceptionnel. Oui, oh là là, mais c'est moche! Oui, bah c'est moche, bien sûr c'est moche, parce que c'est Ultimate, ce Fantastic Four. Hein. Donc, les comics, c'est pas parfait. Mais quand même, on trouve que c'est quand même standard, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, là-dessus, quand vous voyez côté des comics, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, moi, c'est ça qui est en VO qui est bien, c'est qu'il passe une page de ça, et regardez, la publicité, et des histoires, la publicité. Et c'est l'histoire. En fait, dans les comics en VO, et en version française, ça arrive, hein. Ça arrive aussi en version française. Il y en a beaucoup. On lit la moitié des histoires, publicité. L'histoire, publicité. Et bien en français, c'est pareil. En version française, c'est pareil. Mais en tout cas, c'est un plaisir de trouver ces comics-là. Donc vous pouvez trouver ça dans le magasin de Comic Shop International et chez nous, la Comic Shop à la française. Vous pouvez choper en VO. Allez! Cette fois-ci, quelques extraits de dessins animés. Si vous aimez mon atu justement de Toonami et Ultimate Fantastic Four, vous marquez Fedatumbo Tombo et vous regardez, bien sûr, atu spécial Paris Comic Con. Allez, tout de suite, quelques extraits de dessins animés et on revient juste après. A tous mes amis, on revient plein commentaires.